Alors, les amis, j'étais sur mon projet La Notice. Le storyboard qu'on design pour le youtubeur ressemble à ça. Donc, un petit personnage arrive avec son échelle et son marteau. Il regarde le mur. Et, pouf, il pose son échelle. Salut Snoofy the Sheep. Il grimpe à l'échelle. Et il s'apprête à planter son marteau. Donc il lève la main. Regardez, il lève la main. Et boum, il sort son clou. Et boum, il tape sur le marteau. Et boum, il tombe à la renverse. Voilà. Sauf que on a passé 2 heures à se battre parce que la main est à l'envers. Salut Cathy. La main est à l'envers ici. La main n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas possible de tenir son marteau comme ça. Vous me l'avez dit et redit. Et moi je disais ouais mais... En vrai je trouve ça plus logique comme ça quoi. On en est encore là, ouais. Et donc, nous allons lire les retours du client, voir ce qu'il en a pensé. Et ce qu'il trouve également que la main est à l'envers. Hello, merci pour ce premier jet, c'est vraiment incroyable. Tu as super bien compris là où on voulait aller. Tu peux faire la suite du storyboard dans le même style. Et on relance le débat, tout à fait. Pour répondre à tes 2 questions, top pour le marteau et l'échelle. Le perso peut tourner la tête, mais en restant de profil. En revanche, nous préférons que l'orientation de l'œil ne change pas. Son œil peut éventuellement se changer en barre horizontale pour rester le plus simple possible. Ok, donc déjà ce qui veut dire ici, que... Là, j'avais fait un changement. Donc on va éviter les changements. Donc on va remettre l'œil comme ça. Voilà, on verra comment on fait pour lui faire regarder autre part, mais voilà. Lorsque le bonhomme est sur l'échelle, au moment de taper, le marteau est dans l'autre sens. La main qui tient le clou n'est pas super. Peut-il le tenir autrement? Il pourrait éventuellement se taper sur les doigts avant de tomber. Merci encore, j'ai tellement hâte. L'intro va être tellement cool. Alors, le marteau est dans l'autre sens. La main qui tient le clou n'est pas super. Ok. Donc, on a des retours à faire, les amis. On a des retours à faire. Donc j'ai fait une duplique. Donc je peux supprimer tout ça. Et on a des retours à faire. Donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Le marteau est dans le mauvais sens. Et oui, vous aviez raison. Et maintenant que le client le dit, eh ben je vais finir par vous écouter. Même si ça me plaît pas trop, bien sûr, parce que j'étais vraiment perdu. Et donc pour rappel... Voilà, on avait montré les 2 versions sur le Twitter et Sony nous avait répondu que c'était ça la bonne réponse. Voilà. Donc la main devant comme ça. Voilà. Donc merci Sony bien sûr, hein, mais bon. Voilà, une main très détaillée comme celle-ci sinon. Comme Lunat. Donc on va faire ça et il faut aussi qu'on refasse la main qui tienne le clou. Et pour cette deuxième demande, je suis un peu perdu, j'avoue. Pour la main qui tient le clou, je sais pas trop comment faire. Le coude du bras avec le marteau serait inversé, du coup. Ça recommence, quoi. Ah oui, t'as raison. Ça recommence. Non, c'est bon. On dirait que le clou est posé sur ses doigts. Mais ouais, mais c'est un côté cartoon, c'est pour ça. Les doigts doivent être sur le bord du clou, non? Oui. Oui. C'est reparti, les amis. Pour des débats, bien sûr, sur le clou. Alors. C'est reparti. En plus, on a perdu pas mal de temps avec Defender Disc.
Je vous dis pas là, je suis dans une sauce. Je fais ça ou pas? Je fais ça ou pas? Je fais ça ou pas? Je fais celui-là ou pas? Tu prendrais pas un petit boost pour te booster? J'ai tout bu cul sec. À cause de vous là. J'ai plus de boost. Là c'est la fin là. Je suis sec. Le C, le marteau est bien, mais pas le coude. Oh, oh non, non, c'est fini, j'arrête. J'arrête ce projet. Ah non, c'est plus possible. Ah, j'en peux plus. Ah, j'arrête tout. J'arrête YouTube. Même si là, c'est Twitch. Hop là. Je quitte Trash. Je reprends Trash. J'ai menti. OMG, bien sûr. Bon. Fais gaffe, les bras ne sont pas à la même hauteur à gauche trop haut par rapport à droite. Oui. Je vais péter un boulard. Ça va pas, c'est à l'envers là. C'est à l'envers, ça m'énerve. C'est pas bon Sony, hein. C'est son bras à l'envers. Hein. Et ça. Ah mais le coup je peux pas le bouger parce que je suis en comment dirais-je, je suis en illustration de profil simplifié, tu vois. Bah ça recommence parce qu'en vrai y a pas de solution. Et si j'essaye de faire ça plutôt? Si j'essaye de faire celui de Lunat plutôt? Ouais mais le client il veut pas le A. Pourquoi le coude pointu et l'autre non? Parce que j'ai pas fini encore. Je suis foutu les amis. Je vais laisser ma peau. C'est ça du coup? Ça va pas. Quoi ça? Ok.
fait, c'est ça du coup. Je peux pas changer l'angle du coude si tu veux, je suis en dessin égyptien. Ouais, mais je peux pas modifier l'orientation du coude parce que... Comment expliquer ça? Si je modifie l'orientation du coude... Bah, je peux pas, enfin c'est... Moi je veux vraiment que ce soit comme ça. De toute façon, là, je vais dire au client, j'y arrive pas. Je vais lui dire, j'y arrive pas du tout, quoi. Je vais dire, honnêtement, j'y arrive pas. Toi, tu ferais comment? C'est lequel qui te paraît le mieux? Parce que là, c'est chaud, en vrai. Hein. En vrai, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Je crois que la main ne dérangerait pas le client, il voulait juste retourner le marteau. C'est laquelle que je lui ai envoyée, c'est celle-là. Attends, je vais faire autrement parce que... Bon, comme ça, hein. Ça comme ça du coup. Ça c'est bien ouais. Ouais je pense que c'est pas mal. Tiens dégage toi. Hop là. Ok. Du coup... Le clou. Le clou, le clou, le clou. La demande est la suivante. La main qui tient le clou n'est pas super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tenir le clou de façon schématique, sympa? La main qui tient le clou n'est pas super. Peut-il... le tenir autrement. Moi j'avais vraiment envie qu'il le tienne comme ça quoi. Mais du coup si je le fais plus comme ça. Là, du coup, ça crée un espace négatif bizarre. La main à plat comme un plateau pour faire ressortir le clou. Ouais, c'est pas bête. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que tu tiens un clou? Genre... Ding! Tu tiens un clou, toi. Comme ça, sinon. Comme ça, sinon. Sa main, ça fait vraiment une...
vraiment une... qu'on appelle ça. Ça m'en dirait vraiment une clé à anglaise, quoi. C'est juste ça le souci, quoi. Je peux essayer ça aussi. Le clou de fou. Pourquoi il tient la pointe du clou? Bah c'est des tests hein. C'est des tests hein, je sais pas. Pour voir comment il pourrait ressortir mieux. Il n'y a pas un bonhomme Ika qui s'est fait ça pour s'inspirer. Ikea Notice Clou. Ouais, j'ai du mal à trouver. J'ai du mal à trouver les notices Ika sur le net depuis tout à l'heure. C'est même pas le bonhomme Ika qui le fait. Avec leurs mains de merde là. Ils ont vraiment des mains de merde. Je vais faire des mains comme ça. Hein. C'est que des fakes ça. Que des fake notices à chaque fois. Oh, regarde le marteau de Zinzin, comment il le tient lui. La main est à l'envers, Kappa. Ah non. Eh, j'ai oublié de lancer mon stream TikTok. Vas-y, je le lance maintenant. Ah, je l'ai plus. J'ai perdu mon stream TikTok. Ce matin, n'oubliez le stream TikTok, hein. La rediffusion, pardon. N'oubliez la rediff. Je lance maintenant, j'en ai rien à foutre. Je lance la rediff. Ce stream est une rediff, hein, bien sûr. Comme c'est pas automatisé, il faut penser à chaque fois, quoi. Et voilà. Coucou TikTok, ça y est, c'est parti. Tu vas être ban, ouais. Je suis ban. Ils ont vraiment des mains en écharpe en fait. Les Ikeatos. C'est une bonne inspi ça. Regardez comment ils tiennent des objets, sérieux. Foutage de gueule. Je mets un clou comme ça tant qu'on y est. Bon, on se lance.
La main à plat, j'aimais bien, ouais. Si le clou allait de part et d'autre de la main, full profil, tête du clou, main, point du clou. Ah, attends. Genre comme ça. Tête du clou. Main, pointe du clou. Mais j'arrive pas en vrai. J'arrive pas à m'imaginer. Tu peux faire un petit dessin si t'es très très chaud, bien sûr. Mettre des pointes pointues au Figma ou c'est pas possible? Non. On peut faire ça. On peut faire ça quoi. Pas mal comme ça, ouais. Comme un pieu. Ah, comme ça. Ah ouais, comme un pieu, carrément. Moi, j'aime mieux qu'il fasse... Tu vois, genre que ce soit un peu cartoonesque, tu vois. Il le lance un peu en l'air, quoi. Avec un petit effet genre... Bam. Ouais, c'est inspiré de la linéa. Ouais, ça pourrait être cool ce que je viens de dire, non? Il le lance un peu en l'air. Il flotte un peu et là, bam! Il le smash, tu vois. Ouais? Genre ça fait... Bam! Oui, c'est dans l'anime, c'est pas déconnant. Ouais. Du coup, bam, c'est bien ça. Ça plaira à Mister Beast. Ok, dame les gens. Du coup, je mets à jour ça aussi. Ça, c'est la musique de Bev. La musique de Bev. Ça, c'est... Oulala, zut. Musique de Bev. Ça, c'est la musique de Bev. Qu'on aime quand on baise la musique. Une musique de baise. Ça c'est la musique de baise. La musique de baise. Il est fou. Quoi c'est toi quoi quoi. La musique de baise. Musique de baise. Baise baise. Musique de baise, baise baise. Musique de baise, baise baise. Quoi? Il est tout arrondi? Hi Basti, j'ai une app de shopping. Est-ce que tu peux faire une review? C'est le mercredi les reviews. Mercredi les reviews. Mmh. Ah,
C'est où les contours à celle-là? J'ai un petit souci, est-ce que quand on zoome, est-ce que les contours sont plus gros? C'est dur à faire ça, hein, quand on est en train de faire du motion sur un truc à filaire. Pas forcément, ouais, mais du coup c'est... un peu déroutant parce que les objets n'ont plus la même épaisseur, quoi. En vrai, taper sur les doigts, ça va être hyper dur. Hein. Moi, ça se fait vraiment en une frame, genre. À la rigueur. At the rigor. C'est quoi le brief du projet? J'ai pas pu suivre. C'est créer une intro animée pour un youtubeur pour le format qui s'appelle La Notice. Voilà. YouTubeur, il est mystérieux pour l'instant. C'était le whoop à l'époque, comment ça? Ça va faire faux raccord si l'épaisseur des éléments déjà aperçus change. Ouais, mais c'est zoomé. Tu zoomes dessus, donc l'épaisseur change pas finalement. En fait, ça va zoomer là, tu vois. Ça va zoomer là. J'essaie de faire une petite étoile.
Belle musique, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir des éléments qui pourraient être en 50%. Je pense pas, en vrai, ce serait commencer à mettre de l'incohérence. Hier, j'ai réalisé ma première maquette web, je suis plus puceau, bravo, Terra Silver. Comment tu vas? Tu t'as rendu, quoi. Non, pointu, c'était bien. Ok, bon. Badaboum. Il pourrait éventuellement se taper sur les doigts. Ok, bon. Ça marche. Et je vais commencer à texturer un peu le truc. En allant sur Unsplash. Paper. Alors. Je pense que ça c'est pas mal, on va tester. Ça, je vais l'appeler texture, et une bonne technique pour que ça reste au-dessus mais que ça gêne pas ton travail, c'est que tu vas le mettre en prototype, en fixed. Du coup, ça va venir se mettre dans une autre colonne là. Là, t'es tranquille. Salut Sanogo. Est-ce que je peux avoir des conseils pour bien présenter mes maquettes en entreprise? Oui, tu peux. Tu fais des mock-up? Ouais, il y a un plugin dans Splash, ouais. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est très marrant, ça. Juste désaturer un peu. Mais pas trop, mais un peu. Et merci beaucoup. Bah, Defend. Ah, bah, tu codes plus. Merci, Defend, pour le raid. Comment ça va, les amis? Comment ça va depuis la review? Alors, j'ai reçu des retours du Minia Maker. Vous voulez voir les nouvelles Minia? Je comprends pas les différences. Ok, bon, je vais vous montrer celle-là. Merci pour le raid. Regardez. Je trouve qu'elle est pas encore bien centrée et qu'il y a un peu trop d'éléments et tout. Il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à dire quoi. Moins bien le fond, ok. Bon, je verrai ça en off avec lui du coup. Pas le déranger tous les deux secondes. Je vais bien réfléchir avant de lui faire les retours. On peut la mettre en situation, ouais. Ouais, il y a un truc, je suis pas centré, quoi. Je suis centré sans être centré, mais je comprends pourquoi c'est dur à centrer, parce qu'il y a le masque et tout, mais ouais. Je suis un peu trop bas et tout, mais... Ouais, je suis trop bas. Ok, mais je vais lui dire... Je vais le dire tranquillement après le live, je vais le laisser tranquille un peu. J'arrive pas à faire des bonnes minières, ouais. Les flèches sont noires. Ouais, il y aura peut-être un truc à faire sur la couleur des flèches. Elles sont pas en 3D aussi. J'aime pas les éléments autour. Il y a un truc qui va pas sur les éléments autour, mais t'inquiète, on va... On est plus proche de la fin que du début, mais c'est ces moments-là qui sont les plus longs, quoi. Mais je vais m'en occuper cet après-midi.
Bon, est-ce que j'ai mis trop de texture ou pas? Ah, je suis pas sur le bon, on dirait. Les éléments flous, bizarres pour la profondeur. Ah ouais? J'ai mis un peu trop de texture. Ce que je pourrais faire aussi, c'est prendre ma texture, faire un composant. Ça, je la mets là. Et comme ça. Je suis tranquille. Et je peux modifier là. Voilà. Je trouve même flou, du coup on se dit tous à la même profondeur. Ok. Je vais mettre ma petite texture. Bam. La texture elle s'inverse. Je mets mon échelle. Ding. Ah merde, le marteau il change. Pourquoi le marteau il change? Ah oui, d'accord. Ok, donc hop, il le prend. He takes the hammer. He takes the hammer. Il range son clou, il sort son clou. Il range son marteau, il prend son marteau. Boum. Whit. Ding. Badaboum. Voilà, c'est fini. Je suis pas allé plus loin. Le nez de Maxime. Nickel heure, 13h10 déjà quand même. Je te fais des retours après. Je verrais bien le marteau exploser dans un champignon nucléaire avant qu'il tombe, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça, hein. C'est le champignon là. En vrai, il remonte comme ça. Pouing. Bref, et du coup là, la prochaine scène, on va essayer de la démarrer quand même, parce qu'on n'aura pas fait de nouvelles scènes sinon. Il est complètement sonné quoi. Et complètement sonné sur le sol. Le con. Il s'est cassé la gueule. Il s'est complètement pété la gueule. Alors on va reprendre la scène 1, je pense. Et là, il va falloir l'illustrer. Éclaté au sol, le gonze. C'est parti pour éclater le gonze au sol. Alors, comment on éclate un gonze? C'est toi le gonze originel?
Et voilà, n'hésitez pas à suivre ma formation d'illustration. La musique du clip de Gervais. Alors en vrai, comment on fait pour qu'il soit caputos? Bon, ça déjà tu l'as pu sur toi, frère. C'est tombé. C'est tombé comme ça. Ensuite, ses bras, ils vont être comment? Je sais pas, moi. J'en sais rien du tout. Ils sont plus là, déjà. Il a perdu ses bras, disons. Je l'ouvre en deux. Voilà. Et je pense que la partie basse, celle-ci là. Ah merde, il faut les découper, celle-là et celle-là du coup. Ah, la partie des jambes, ça va être genre comme ça. On peut déjà faire la tête à part. Complètement sonné, quoi, le boug. Je sais pas qu'est-ce que ce serait la posture de ses bras et tout. J'ai sûrement un indice sur le client, pas de coïncidence ici. Chut. Les pieds et les bras en haut. En haut de quoi? Genre tu veux qu'il soit planté dans le sol? Non. Je peux mettre l'échelle cassée, mais je pense que ça va me prendre un peu de place en vrai. Parce que l'échelle, elle a pas de raison d'être cassée plus que ça, je pense. Il est juste tombé, quoi. Même ça, je pense que je vais faire fi de ça. Faut qu'il fasse un U. C'est-à-dire... Qui fait un U? Qui fait un U? U. Mais... Un U? Comment ça, un U? Les bras et les jambes. Bon, les jambes, je vais les laisser comme ça, non? Hello, aurais-tu une formation conseillée pour apprendre le design UX, s'il te plaît? Non, pas du tout, j'en connais pas. Désolé. Moi, ouais, je sais pas trop quoi foutre de ces bras là.
C'est bizarre, ouais. Qu'est-ce que je fous de ses bras? J'en sais rien. Je sais pas quoi foutre de ses bras. Le long du corps. Réduire la jambe gauche, ouais, ouais. Ses bras, ses bras, ses bras. Ouais, j'ai peut-être fait un croquis, mais en fait, j'ai pas d'idée dans ma tête. Le bras du dessous détendu au sol, le long du corps, de la tête, celui du dessus reposant sur le torse. Ouais, ah ouais, comme ça. Un peu comme ça. On fait une animation pour un youtubeur. Un peu comme ça. C'est l'idée. Ouais, c'est fini. Hein. Tu peux juste avoir la main qui apparaît. Ah oui, bien sûr. Pas bête. Donne-moi ta main, toi. Ok. Non, le long du corps, sinon. Le long du corps, sinon.
Le long du corps, c'est mieux, non? Ouais, je crois que c'est mieux. Il est plus en PLS comme ça. Je sais pas, par contre, son bras il est pas si rond normalement. J'ai pas son bras normal en fait. J'ai juste son bras comme ça. Comme ça peut-être. Décalé ou aligné ça? Non, on va faire full aligné. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Pas mal sur son petit marteau là. Il dort sur son marteau, il est bien. Salut Milky. Salut Mickey Mickey. Oui, il est posé là, ouais, je pense qu'il est bien. J'aime pas trop ça. Oh, cette musique. Il met un pouce bleu en vrai, regardez. Il met un pouce. Salut Mister Vaudou. Il met un like. Un pouce bleu. Tout va bien. Tout va bien les amis. Vous inquiétez pas. 8. 16. Pouce bleu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur ce live en tout cas. Ok, maintenant faut qu'on fasse l'effet il est sonné quoi.
Est-ce que je lui mets la bouche dans le mal ou pas? Ou c'est trop? Avec la langue et tout là. Peut-être un peu trop. ça surcharge trop le trait. Ok, il est sonné les amis, attention. Qu'est-ce qui va lui arriver quand il est sonné? Plante le clou dans son nez. C'est drôle ça. J'aime beaucoup ton idée de planter le clou. Mais c'est à la fois très dangereux. Bon, il voulait des oiseaux. Ça, c'est pas des oiseaux du tout. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas des oiseaux. Le marteau qui lui retombe dans le ventre. Oh, ça va, le pauvre, déjà. Il a déjà assez souffert, hein. Il peut pas, il dort sur le marteau. Faut que je mette une notice aussi, ça c'est chiant. Ou alors il dort sur la notice. Merci Gunt. C'est gentil. Mais du coup, une notice avec ce style, ça ressemble à quoi? Moi, j'avais fait ça, mais bon. Il y a la notice par terre, quoi. Alors, soit ça ressemble à un livre comme ça, là. Le profil, là, mais c'est nul, ça, non? Le clou, il est où? Le clou, il est où? Il est là, regarde. Le clou est plus gros que le marteau, comme vous pouvez le constater, bien sûr. Le marteau sur le pied, non, mais c'est pas... C'est pas définitif. C'est juste pour le faire tomber, quoi. Pouk. Dans les couilles du gars, quoi. C'est la première fois que je vois un illustrateur de BD sur Figma. Ouais, t'as vu ça? Comment on fait une notice de profil? Parce que ça, c'est pas très profil.
Je fais ça, du coup. Pas vraiment de profil quoi, mais bon. C'est pas ouf quoi, c'est pas visible quoi. Comment on ferait la notice? Refaire l'animation sur CSP, je sais pas. Ouais, le clou, je pourrais mettre la version qui a bossé. Ouais. D'ailleurs, la version qui a bossé, elle a bien bossé. Voilà. Voilà. Aucun souci là-dessus, bien sûr. Tout est très ok niveau sizing. Je vais l'appeler, merci. De notice plus proche en dessous de la ligne du sol. Bah non, parce qu'en fait on est sur justement un style line, tu vois. Donc non, on va éviter tout ce qui est un peu perspective et tout, tu vois. Sinon je la rends un peu plus épaisse. Et livre quoi, mais bon. C'est nul, ça va pas du tout. Comment on pourrait faire? En plus, il y a des travaux dans mon immeuble. Je suis dans l'ambiance parfaite. En vrai, les amis, comment mettre la notice par terre? Je peux pas mettre la tête du perso ou le marteau pour faire moins livre. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ding. Boum boum boum. Ah, en forme de tipi, putain, c'est une bonne idée ça. J'ai la ref, regarde, je vais le faire tout de suite. Toi, tu voulais dire comme ça. Faut comprendre. Hein. Oups. Ouais. Plusieurs pages, bah ouais, mais bon. Ça ressemble pas du tout à un livre. Comme ça?
On dirait juste un brin d'herbe finalement. Non, il la sort pas en fait, c'est écrit là. Il est sonné sur le sol. Et il trouve la notice par terre. Merde, c'est pas là. En fait, il tombe et la notice elle est par terre. Il fait oh, qu'est-ce que c'est que cette notice? En fait, je viens de le faire là. C'est vrai que le mieux, c'est que la notice, elle lui tombe sur le... Elle lui soit tombée dessus, mais... En animation, comment je fais? Ouais, mais si la notice, elle est sur sa tête, on le verra pas sonner. Comme ça. J'adore cette session, c'est trop stylé, merci. Bifrit, c'est gentil. La notice, quand il tombe, ça pourrait être une boulette de papier chiffonné. J'y ai pensé, mais... Ouais. Regardez, poum. Tic. Tic. On fait ça. Non, vraiment cool sur le visage, ouais. Ses jambes, elles auraient pu se remettre droites, du coup. C'est bien, ok. Moi, j'ai envie de mettre un point d'interrogation aussi, comme sur les notices IKEA, là. Celle-là, ouais. Le dépliant ne devrait-il pas comporter une petite ligne ou quelque chose pour indiquer qu'elle tombe? Si, si, mais... Si, si, on pourra faire ça, mais... Après, il y aura le motion, donc je sais pas s'il y a besoin de mettre des lignes tout le temps, tu vois. Parce qu'il y aura aussi le motion. C'était une BD, ouais, mais peut-être... Peut-être pas dans le... Peut-être pas là, je sais pas.
Des petits impacts sur le pied, ouais. C'est pas une contrainte à l'export pour le motion de bosser sur Figma. Non, je le ferai sur After Effects. Là, c'est juste mon wireframe. C'est un storyboard. L'échelle, non, je pense que l'échelle ça surchargerait un peu. Tu restes jusqu'à quelle heure? Bah, jusque. C'est un sub-bâton, donc là il reste 8 heures. je sais pas. Je vais bientôt aller manger, je pense en vrai. Je voulais juste finir ce truc. Comdowns. N'hésitez pas à follow la chaîne les amis. Si vous aimez bien ce que vous avez vu, c'est gratuit, un petit follow ça fait plaisir. Et encore merci à la commu qui a débloqué le 70-30 pour ce mois-ci. Alors débloquer c'est un grand mot parce qu'il va falloir enchaîner ça pendant plusieurs mois, mais merci beaucoup. Et puis il suffit juste de poursuivre le mois prochain et c'est win. Merci beaucoup. On voit le nez, ouais, j'ai vu. Je m'en occuperai, t'inquiète. 18. Je commence à avoir vraiment la dalle, là, par contre, les amis. Ça va être le moment d'aller manger quelque chose. Ok. Look at this. Alors. Et ouais. Trop cool, merci. Alors attendez, après du coup j'ai une scène assez facile à faire parce qu'en fait c'est littéralement le logo normalement. Ah oui, il m'avait dit qu'il ait pris la notice à l'envers. Très fort le doublage, merci. Oh le con, il a pris la notice à l'envers. Il est tellement con ce gars qu'il a pris la notice à l'envers. C'est ça? Ouais. Viens là toi. Il est con qu'il a pris la notice à l'envers. Je viens d'arriver, quel est le projet? La notice. C'est la notice. Par contre. Shumisis. Je l'avais grandi pour qu'il tape. Là. Comme ça. Il s'est dédoublé le boug. Le bougre d'âne. Et 18. Hop. Et là. Il est con ou quoi? Il a pris en vert les amis. C'est une dinguerie de faire ça. Est-ce qu'on comprend que c'est à l'envers? C'est dur de comprendre que c'est à l'envers parce que j'ai pas d'écriture dessus. Peut-être qu'il faudrait que je réécrive ça, du coup. Qui était dans le logo final que j'ai pas, du coup. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est les chiffres officiels.
Les chiffres devraient aider. Ah, il est grognon là. Il se grognonne. Est-ce que je le double ou pas? Je vais... Non. Très bien. Écoute. Écoute. Du coup... Pas content. On va récupérer ses pieds quand même, pour qu'il soit un peu plus content. Oh non! What happened with the pied? Je ne comprends pas. Ce document n'est pas très lisible. Ah merde, c'est celui-là. Non, les pieds c'était bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Remets ton livre, Timothée. Attends, c'est de quel côté ça? Dans le logo. Ah, et c'est là. Donc là, c'est pas là. Ah, c'est là. Hop. Peut-être je rajouterai un truc comme ça, hein. Genre un peu le titre du truc. C'est mieux avec deux traits. Non, le trait ressemble beaucoup à celui de son œil. Ouais, mais j'ai peur de dénaturer le style graphique, sinon. J'ai peur de dénaturer le style graphique en mettant plus, je sais pas. Tu fais full Figma le storyboard? Bah ouais, le storyboard, comme c'est du design en contour, oui. Salut Basti, j'aime bien ton petit personnage, tu aurais un conseil à me donner pour me lancer dans l'UX et web design? Pour se lancer dans l'UX et le web design, bah faut aimer le web, les applis et les sites web et essayer de les reproduire et de comprendre comment ils sont faits déjà. Qu'il lit dans le mauvais sens car j'ai failli te prévenir que ça donne l'impression que le livre était dans le mauvais sens. Parfait. Impec. C'est nickel. Ça donne le smile, regardez, au perso. Alors pourquoi je fais un sourire comme ça? Parce que le personnage IK, il a un sourire comme ça. C'est pas une préférence graphique, mais il a un grand sourire comme ça. Oula! Trop bien. J'avoue, on dirait le perso IK. C'est le perso IK, OMG. Et ben en fait, j'ai fini le storyboard. Entrée
près du logo. Et merci beaucoup Fudris pour le Prime. N'hésitez pas à claquer vos Prime les amis. C'est quoi ? Ça fait plaisir déjà. Et merci pour le Prime, la Crucital. Ouais, je disais, le Prime, c'est gratuit, bien sûr. Ça traîne littéralement sur le crâne de Jeff. Donc, n'oubliez pas de le donner si vous en avez un. C'est gratuit si vous êtes abonné à Amazon Prime. Bien évidemment. Hop. Et ça soutient la chaîne. Et oui, on est encore dans le September. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne également. Oula, j'ai enlevé sa tête. Vous pouvez claquer des... Il y a des réductions pour prendre des abonnements avec des mois d'avance ou avec des sub-gifts. Twitch offre des sub-gifts si vous en donnez. 5, il en donne 1, je crois, un truc comme ça. Bref, ça régale. Merci beaucoup. Ah, c'est quoi ? 13, 13, 14. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? On va faire comme ça. Et voilà, fini. Fini, fini. Et merci beaucoup Motoko pour le Prime, merci beaucoup. Ça donne plus grand chose les Primes aux créateurs, non. Ça donne même presque plus rien du tout. Les Primes, ça donne littéralement 13, 13, 14, moins d'un dollar quoi. Voilà. Mais si vous l'avez, vous le claquez. Après, si vous voulez soutenir la chaîne, donner un tiers 1, un tiers 2, un tiers 3, c'est banger. Hein. Ça c'est banger, hein, c'est le mieux. Tier 1, tier 2, tier 3, c'est vraiment le mieux quoi. Ok. Hop. Pomme R. Number ascendant. C'est pas dans l'ordre. Clic droit. Enfin, pomme slash rename it. Hop. Ça c'est bien. Numéro ascendant. Ça commence à 2. On sait pas pourquoi. C'est bizarre ça. Ah parce que j'ai pris le clou. Vas-y, mets-moi que les plans de travail pour voir. J'ai pris le clou. Non. Voilà. La notice. Numéro ascendant. Voilà. Ok, on se le fait. T'as vu la nouvelle DA de Locklear. Il a réussi à séparer les tiers pour les badges quand ça s'affiche, c'est pas mal. Les tiers pour les badges. Pas compris, c'est quoi la séparation des tiers pour les badges? C'est un plugin ça, ouais, rename it. C'est quoi le tiers pour les badges? Ouais, moi aussi j'ai ça pour les tiers, ça change... Ça change aussi les... plein de choses, mais pour les badges. Ok. Les badges d'abonnés peut-être, ouais. Ok. C'est parti, le petit personnage arrive. Oh. Le marteau est dans l'autre sens. Le clou lévite dans les airs pour faire trait et dessin animé. Chut. Ting. Il brille. Et là, flam. Et l'image s'inverse. C'est le drame. Pring. Badaboum. Alors, j'ai pas fait qu'il se tape sur les doigts parce que moi, je veux vraiment que ce soit une animation en une frame. Genre, pour montrer la violence du truc. Badaboum. Ah là, il est sonné. Oh, les oiseaux et tout. Bing, bing, bing. Alors, j'ai pas mis d'oiseaux parce que les plus ça me paraissait plus sympa, mais je peux remettre des petits oiseaux, ça ferait des V, mais j'ai peur que ça fasse valider. Hop, le marteau il tombe et j'ai fait hop la notice qui tombe du ciel. Pourquoi ? Parce qu'une notice au sol ça marchait pas trop, je trouvais. On la voyait pas en mode de profil. Chut, et hop, boum ! Tombe sur son nez. Donc, ça c'est un petit clin d'œil à Ikea avec le point d'interrogation. Il se lève, il est pas content. Il remet à l'endroit la notice. Voilà. Voilà, voilà. Tu connais la linéa, bah si. Bien sûr. Bien sûr.
Je viens de regarder ta vidéo, pourquoi mettre le son sur les sites web? Tu m'as fait trop rire, ce n'est pas moi qui viens de remettre ce moment-là 10 fois d'affilée. C'était quoi déjà? C'était quoi? Ça c'est... Ting! Il brille! Regarde, c'est trop long. J'ai d'abonné peut-être. Ah, c'est peut-être... Ok. C'est parti, le petit personnage arrive. Badaboum. Ah là, il est sonné. Oh, les oiseaux et tout. Bing, bing, bing. Alors, j'ai pas mis d'oiseaux parce que les plus, ça me paraissait plus sympa. Mais je peux remettre des petits oiseaux. Ça ferait des V, mais j'ai peur que ça fasse valider. Merci beaucoup, Bifrit, pour le subgift à Bastille Troller. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une notice au sol, ouais, ça marchait pas bien trop. Je trouvais, on la voyait pas en mode de profil. Et hop, boum. Tombe sur son nez. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Ikea avec le point d'interrogation. Il se lève, il est pas content, il remet à l'endroit la notice. Ça, ça tombe pile poil. Hein. Dessin animé. Merde, il n'y a qu'un N. Modifier la présentation, d'accord. Voilà. Voilà. Faut que je mette sur ma soundboard sur PC. C'est toi qui anime après, ouais. T'es le goat de la notice, merci. On va voir, hein. On va voir. Ouais, je vais lui faire les bruitages, bien sûr. Du coup, c'est quoi le truc qui t'a fait rire dans la vidéo? Ding ding ding. C'est quoi ding ding ding? Je me souviens déjà plus. Téléchargé version paysage, bien sûr. Ok. Ok là, guys. Bon, 14h. C'est l'heure de... C'est l'heure des Teletubbies déjà. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies.